C'est une visite du secrétaire général pour l'investissement de la France, Bruno Bonnell, bonjour, messieurs, qui officialise le studio Gaucha dans un projet de grande envergure nationale. En répondant à l'appel de la candidature dans le plan d'investissement de France 2030, initié par l'État dans le domaine de la culture, le studio Gaucha, producteur de films d'animation, se lance d'une part dans la création d'une école de jeux vidéo et d'animation, et d'autre part dans un pôle territorial des industries culturelles et créatives. On a communiqué sur les salons étudiants, donc on vise une ouverture à Saint-Paul en septembre 2024. C'est un projet qui est lancé. Sur l'autre projet, nous sommes encore dans ce qu'on appelle les conventionnements, c'est très technique, avec la Caisse des dépôts qui finance, etc., avec nos partenaires des collectivités territoriales pour voir comment on se configure. Cela, c'est une phase d'ingénierie en fait qu'on va faire pour répondre à un gros appel à projet qui va sortir, lui, dans une petite année. Jusqu'à présent, le studio Gaucha produit des films pour l'Europe. Il espère s'attaquer prochainement au marché américain. Le studio est l'une des 40 entreprises réunionnaises à vouloir hisser la France dans la bataille de l'économie de l'innovation à l'horizon 2030.